Des blessés viennent d'arriver dans l'hôpital MSF situé à Hammam al-Alil, au sud de Mossoul. Dans cette unité spécialisée en traumatologie, l'équipe MSF prend en charge des personnes blessées par des tirs, bombes, éclats d'obus. En général, les patients arrivent après avoir été stabilisés dans des postes médicaux proches de la ligne de front, installés par des militaires. Durant ces 6 premières semaines d'activité, l'hôpital a admis 1400 patients. La moitié d'entre eux étaient des femmes et des enfants. They usually come in big waves. So on the same day we can receive up to 50 injured, sometimes within 1 hour, and they all come together. They're family units that come together, not just single patients. So it's a really, really intensive project and intensive activity. Depuis l'intensification des combats en février, MSF a ouvert plusieurs structures dans la région. Les équipes interviennent dans des hôpitaux et maternités, à l'intérieur de Mossoul et dans les environs, et gèrent des cliniques de soins de santé primaire et de santé mentale dans plusieurs camps de déplacés. La situation elle est quand même assez urgente parce que si on voit l'opération à l'est de Mossoul, en 3 mois, on a eu environ 1300 blessés et environ 200 000 déplacés qui sont sortis de la ville de Mossoul-Est. Là, aujourd'hui, à Mossoul-Ouest, en 1 mois, on a les mêmes chiffres qu'en 3 mois à Mossoul-Est. La situation de ces 400 000 personnes qui vivent dans Mossoul-Ouest est particulièrement inquiétante. The areas we have visited in West Mossoul, there are huge infrastructural damage. Most of the houses have been destroyed during the offensive, the military offensive. There are food needs. There are no water and sanitation system, as most of it has been destroyed during the war. There is an overall lack of supplies. There are no education system in place, no vaccination, no primary healthcare access, and no obstetric care. L'équipe de l'hôpital de Kayara est elle aussi témoin de la dégradation des conditions de vie dans Mossoul, autant que de la précarité dans les camps de déplacés et des conséquences sur la santé des enfants. The children coming from Mossoul, most of the parents was forced to give the children food that is not appropriated for the age, like yogurt or flow with water or sugar with water for children than less than 6 months. They can have a war injury, bomb blasting or other kind of severe injury. It's frequent to find children with the bronchiolitis also in our countries, but here they are a lot because probably the virus are spread very easily in the tent as the tent are overcrowded and the children are very small. Pour les centaines de milliers de déplacés, la dureté des conditions de vie dans les camps s'ajoute aux blessures psychologiques laissées par la guerre et à l'incertitude qui entoure la question du retour dans une ville en grande partie détruite. Chaque jour, 12 femmes meurent du cancer du col de l'utérus aux Philippines. Lina est chargée par l'ONG Likan d'encourager les femmes de Tondo à se faire dépister. We know that cervical cancer is preventable. It's one of the most preventable cancers that anyone can have. And we would like to give women fighting chance because we know how significant they are as persons and their role in society. Si des lésions précancéreuses sont détectées lors d'un examen médical, les femmes de Tondo peuvent bénéficier d'une cryothérapie, une méthode rapide qui consiste à détruire par le froid ces cellules. Les patientes qui présentent des signes plus avancés de cancer sont référées à l'hôpital. Les filles âgées de 9 à 13 ans, elles, peuvent être vaccinées. 25 000 jeunes filles de Tondo ont ainsi été immunisées. La clinique reçoit environ 80 patients par jour. MSF, présent depuis 2016, s'est appuyé sur le travail de terrain déjà réalisé par Likan, qui travaille à Tondo depuis près de 10 ans. They're interested in making sure that the farthest reaches of this vulnerable and very marginalized population
has non-judgmental access to healthcare in a situation where they wouldn't normally have that access. Le programme de Tondo espère faire date. Pour MSF, l'objectif est de démontrer sa viabilité pour encourager le gouvernement philippin à soutenir ce type d'initiative, même dans des contextes difficiles. Aydan se trouve dans le nord du Yémen, une zone directement affectée par la guerre qui dure depuis plus de 2 ans. Non loin des débris de l'hôpital, trace de l'attaque menée il y a 1 an et demi, on aperçoit l'école de la ville, elle aussi a été bombardée. It's a malnourished child, 1 year old, with diarrhea, so gastroenteritis since 1 week. Un système de santé effondré, des biens de première nécessité dont le prix flambe, et une population qui paye le prix fort. All the civilians that nowadays they don't know where to go because the hospitals are closed for many reasons, because there are no more money to pay the staff. It's difficult to find drugs inside the countries, and the health structure has been affected directly by the war, destroyed by the airstrike. Depuis le retour de MSF, l'hôpital dispose d'une salle d'urgence, une maternité et un service de pédiatrie. Mais dans ce pays où plus de la moitié des structures de santé ne fonctionnent plus en raison du conflit, on estime à près de 15 millions le nombre de Yéménites qui n'ont pas accès aux services de santé les plus basiques. La situation nutritionnelle au Nigeria, Soudan du Sud, Somalie et Yémen est très inquiétante. Mais ces deux nombres, 20 millions de personnes et 4,4 milliards de dollars, ne suffisent pas à la résumer. Une situation de famine répond à une définition précise, et l'expérience de MSF dans ce genre de situation peut aider à la replacer dans son contexte. Il y a 5 niveaux d'insécurité alimentaire, la situation la plus grave étant la famine. On peut parler de famine si dans une zone donnée, on dénombre plus de 2 décès par jour pour 10 000 personnes, un taux de malnutrition aiguë supérieur à 30% et au moins 1 personne sur 5 qui n'a pas suffisamment à manger. Dans les 4 pays cités, seuls 2 comtés du Soudan du Sud répondent à ces critères, selon des évaluations menées cet hiver. Les autres sont considérés comme étant à risque. L'expérience de MSF montre que les épisodes de famine avérée sont relativement rares. Ils sont limités dans le temps et l'espace et se caractérisent par des taux de mortalité très élevés, non seulement parmi les personnes considérées comme étant à risque, les jeunes enfants et les personnes âgées, mais dans la population en général. Les causes de la famine sont variées. Elles peuvent être naturelles, mais dans le cas des 4 pays qui nous intéressent, l'insécurité alimentaire est en grande partie causée par l'homme. Les conflits empêchent les populations de cultiver leurs champs, interrompent les voies d'approvisionnement et font augmenter le prix des denrées. Il existe 3 niveaux d'aide pendant une crise alimentaire. Rétablir l'accès à une nourriture de qualité et en quantité suffisante. Cela doit se faire soit en permettant aux populations locales de retourner aux champs, de s'occuper du bétail ou de faire du commerce, soit grâce à des distributions de nourriture. Pour cela, les civils comme les humanitaires doivent pouvoir circuler librement. Apporter un soutien nutritionnel aux groupes les plus vulnérables, particulièrement les enfants. Avec des compléments alimentaires adaptés à leurs besoins, distribués à temps, on évite l'apparition de cas de malnutrition aiguë. Soigner les cas de malnutrition aiguë sévère, soit à domicile grâce à des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi, soit à l'hôpital. Les équipes médicales prennent aussi en charge d'autres maladies infantiles, comme le paludisme, les infections respiratoires ou les diarrhées, liées à la malnutrition
et qui augmente le risque de décès. Rien de tout cela n'est possible dans certaines zones du Nigeria, du Soudan du Sud, du Yémen ou de la Somalie. Non pas en raison d'un manque de financement, mais parce que les populations qui y vivent sont isolées, coupées du reste du monde par des belligérants qui se préoccupent peu de leur survie, alors que l'accès à l'aide dépend d'eux. C'est une population qui a vécu des choses très difficiles et qui ne se sent pas encore du tout en sécurité, d'autant qu'il continue à y avoir des bombardements, des militaires partout, des tirs partout. Ils vivent dans la peur, ils vivent dans la crainte des représailles et ne savent pas exactement quoi dire et à qui le dire. L'intérêt de ces consultations, c'est que c'est un endroit qui leur est proposé et dont ils savent s'emparer. Ce qui est un bon signe, puisque ça va leur permettre de peut-être de se poser, d'être aidés et d'intégrer tout ce qui leur est arrivé pour continuer leur vie dans les meilleures conditions possibles. J'ai rencontré des enfants qui étaient très en difficulté, qui avaient des troubles du comportement et les parents, surtout les mères, puisque les pères n'étaient plus là, les mères étaient encore plus en difficulté parce qu'elles-mêmes n'avaient plus la capacité de faire face aux troubles et aux émotions de leurs enfants. Et il y a des mamans qui ne savaient pas faire autrement qu'attacher leurs enfants pour pouvoir les contenir et éviter que leur débordement puisse gêner les voisins ou les autres membres de la famille. Et ces mamans étaient complètement démunies, alors que ce sont au départ de bonnes mères, elles ne savaient plus comment faire. Donc le travail n'était pas que la prise en charge de l'enfant, mais aussi la prise en charge de la maman et la prise en charge du groupe formé par la maman et par l'enfant, voire par les frères et sœurs.